Exercice 2. Dans l'air, le son parcourt environ 1 km en 3 secondes. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 5 km? Si j'entends le tonnerre 9 secondes après avoir vu l'éclair, à quelle distance la foudre est-elle tombée? Ici, il y a proportionnalité entre deux grandeurs, la distance en kilomètres et le temps en secondes. Donc n'écrivez pas il y a proportionnalité entre les kilomètres et les secondes. Soyez un petit peu plus précis. Il y a proportionnalité entre la distance en kilomètres et le temps en secondes. Donc, de notre tableau, distance, première ligne, en kilomètres, temps, en secondes, deuxième ligne. Grâce à l'énoncé, je remplis la première colonne. 1 kilomètre en 3 secondes. 1 kilomètre, 3 secondes. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 5 kilomètres? 5 sur la ligne des kilomètres, eh bien il va lui falloir 5 fois plus de temps. Donc 3 fois 5, 15 secondes. Il lui faut donc 15 secondes pour parcourir 5 km. Deuxième question, j'entends le tonnerre 9 secondes après avoir vu l'éclair. Donc le temps, c'est 9 secondes. Donc si le temps c'est 9 secondes, la distance en kilomètres va être 3 fois plus grande que pour 3 secondes. Donc le son aura parcouru 3 km. Donc à quelle distance la foudre est-elle tombée? Elle est tombée à 3 km. Donnez un moyen simple pour calculer de tête à quelle distance la foudre tombe. Eh bien, on peut remarquer que le coefficient de proportionnalité pour passer des secondes en kilomètres, c'est un tiers. Il faut diviser par 3 le nombre de secondes pour obtenir le nombre de kilomètres, ce qui permet donc de savoir à quelle distance la foudre est tombée. On divise le nombre de secondes par 3 pour obtenir le nombre de kilomètres.